Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouhou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveautés, en fait, tout simplement. Il y a là, 2 secondes. Il y a l'option de plonger. Oui, maintenant, on peut enfin plonger. Vous rêvez toujours de plonger ? Eh ben maintenant, vous pouvez. Vous pouvez plonger, tout simplement. Et ça, c'est trop génial. Excusez-moi, je suis en train de régler mon micro. Bien qu'il soit à côté de moi, parce que c'est un micro qui doit vraiment être très très près de la bouche. Parce que c'est un micro qui est comme ça, hein. C'est un micro cardioïde, fait de snowball machin. Donc voilà, du coup le micro est fort près de moi, mais au moins ça me permet d'avoir une qualité correct et vous m'entendez correctement. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire tout simplement c'est de... Oh mais là il y a un peu... Ouais. Donc, nous allons tout simplement explorer le monde des Wouhou coquins. Des Wouhou coquins mania. Voilà voilà. Alors on y va, excusez-moi pour l'attente. Donc voilà, aujourd'hui nous allons... plonger, oui, vous avez bien compris. Nous allons plonger. Des Wouhou coquins plongeoires. Voilà, voilà. Nous allons faire du test. Voilà, voilà. Hop. Voilà ce qui se passe quand on met la tenue. Attention, si je retire la tenue, je vais vous montrer. Je vous montre ça. Regardez. Il faut obligatoirement la tenue de plongée, sinon ça ne fonctionne pas du tout. Je vais vous montrer, hein, regardez, je vais remettre mon autre habit que je ne trouve pas. C'est bizarre, tant je ne l'ai pas jeté. Ah ok. Donc en fait, vous pouvez pas plonger, vous voyez. Donc c'est une sorte de ticket de plongeoir. Donc vous êtes obligé d'avoir la combi de plonger pour pouvoir plonger. Non, c'est pas ce que je voulais voir en fait si on sait la cacher par hasard. Je sais pas, la masquer ou un truc comme ça. Non, on sait rien faire, ok. Et du coup là, à ce moment-là, vous pouvez, en appuyant sur A, vous pouvez aller dans l'eau. Regardez, tout simplement, ça fonctionne comme ça. Vous avez des trous ici, où vous avez une sorte de trou ici, vous voyez, où vous pouvez tout simplement aller chercher des plantes. Donc, on va aller bien au centre. Si mon personnage veut bien arrêter de faire sa pute. Et après, il faut tout simplement appuyer sur Y pour plonger. Et voilà. Et vous avez bel et bien un filet à la fin parce que ben il y a une limite hein, quand même. On peut pas aller non plus à 10 milliards d'endroits, mais c'est normal. Mais c'est déjà pas mal, je trouve que c'est stylé quand même de pouvoir enfin aller nager. C'est sympa. Hop, vous replongez. Voilà. En fait, vous devez détecter l'endroit où il y a du sable. Et c'est comme ça que vous remontez les trucs. Jusque là vous allez me dire que ça a l'air de pas être trop compliqué. Mais en effet c'est pas compliqué. C'est sympa en plus. Et c'est ultra facile. C'est vraiment trop facile. Par contre je ne pense pas qu'on peut plonger dans la... On va tester de plonger. Pardon. On va tester de plonger dans la zone. Oula. Dans la zone machin là. Allez, comment ça s'appelle? Dans le truc de d'eau. Voir si ça marche. Ouais, j'ai eu un oursin. Trop cool. Bon, j'ai mis ma Switch dans un endroit qu'il fallait pas. C'est pas ouf. Je dois faire attention de pas la faire tomber en fait. C'est juste ça.
Ouais, c'est pas vrai, c'est pas, je suis pas très intelligent en fait, où je mets ma console, c'est pas ouf quoi. Bon, là par contre on s'est pas remonté, donc je vais essayer de remonter ici. Oui, c'est bon. Non, ce con m'a bloqué. Ces andouilles. Voilà. Ça va, c'est bien fait, c'est bien codé. Voilà, en fait, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'on sait aller dans l'eau là? Non, là, on sait pas. Mais là, est-ce qu'on sait tricher par hasard? On va tenter quelque chose. Je sais pas si ça marche. C'est d'essayer d'aller dans l'eau. Et d'essayer d'aller là. Non, regardez, on sait pas. Il y a un mur invisible. Ah, c'est dommage ça. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais ça sert un peu à rien, c'est une zone où il n'y a rien, mais je sais pas, ça aurait été marrant qu'on puisse quand même y aller, quoi, c'est rigolo. Pour avoir cette sensation de liberté en plus et de pas avoir trop de murs invisibles, c'est un peu dommage, c'est décevant, mais bon, c'est pas très grave non plus. Voilà, c'était la nouveauté de. Pardon, excusez-moi de crier. C'était la nouveauté de ce jeu. La mise à jour d'été, quoi. Ici j'ai commandé ma télécommande universelle. Je dirais pas combien elle m'a coûté, mais quand même assez cher. Normalement ça devrait fonctionner, hein. Mais bon, on verra bien. Je vous tiendrai au courant, au pire. Enfin, s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, bien sûr, parce que si ça se fait, je parle dans le vide. Qui? Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je voudrais faire à part ça? On va récupérer la tunasse. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer de l'argent. Oula, je l'ai. Ok. Ça c'est pour me casser les pieds. À chaque fois que je fais un let's play de dialogue et tout ça, j'ai le hockey qui vient avec. C'est genre on va te faire chier. Génial. Trop cool ma vie, trop cool. Trop cool. Ce qui est pratique quand on se fume pas en facecam, c'est quand tu gardes la bouche ouverte, tu sais, parce que t'es concentré. Un peu que pendant quelques secondes, 2-3 secondes. Ben ça se voit pas du coup. Ah, c'est pratique. Ah, c'est. Quel con. Non, quoi que, non. Allez, hop, on récupère tout ça. On va aller revendre ces trucs débiles à. À machin. Ça va nous faire de la bonne tunasse, même. Voilà, hop, service aide, nook. Non, je l'ai déjà. Oui, tous les jours, je vais voir si j'ai. S'il y a un nouveau CD pour prendre le prendre, je les collectionne. Je vous ai déjà montré, hein. Ouh, aujourd'hui j'ai du mal à parler, dis donc. Mais bon, c'est pas grave. C'est ma personnalité qui est comme ça et puis c'est tout, je ne changerai pas. Ah, oui, je cherchais elle justement pour un peu lui parler, pour retenir entretien, parce que c'est mon Wouhou coquin. Le Wouhou coquinou. Non, il va bien. Il va bien. Bon. On a un coup. Ok, on est à 10. Youpi. Donc ça va, j'ai pas trop traîné en fin de compte, c'est rassurant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller revendre ce que j'ai fait. Et on va aller faire autre chose aussi. On va non seulement revendre, mais après je vais voir s'il y a des gens en ligne. Achetez-moi un truc. Oui, achète-moi mon caca. J'ai toute cette merde à revendre, tu la veux? Hop, hop. Je sais pas, j'ai envie de les garder. Plutôt ça que je vais te revendre. De refiler de la merde en fait.
Voilà, c'est ça. Donne-moi un peu de tunas. C'est délicieux. C'est très bon pour la santé, la tunas. Voilà. Si ça fonctionne si ça fonctionne réellement, ben ça veut dire que mon je vais pouvoir mettre en 720 60 FPS au lieu de 1080 30 FPS. J'en suis navré pour ceux qui regardaient, hein, mais je pense que c'est le nombre de gens qui ont regardé, c'est zéro parce qu'il n'y a plus jamais aucun commentaire ni rien. Donc je pense qu'il n'y a personne qui regarde mes vidéos, mais bon. Pour au cas où, s'il y aurait des gens, parce que j'ai quand même 2, 3, 4, 10 vues, 5 vues quand même, donc il y a peut-être des gens, mais j'en sais rien, ou c'est moi parce que je revérifie de temps en temps pour voir si tout va bien, ce qui est logique, hein, c'est le principe. Du coup, si au cas où il y a des gens vraiment qui regardent mes vidéos, ben, je suis désolé, hein, j'espère que ça va pas vous déranger, que je vais passer en 720, 60 FPS. Ce sera toujours au maximum que ça peut faire en termes de qualité, donc ce sera pas du compressé. Hein. Ici, c'est pas du compressé, bah, ce sera pareil, ce sera du 720 non compressé mais en 60 fps. Et du coup, vous aurez une meilleure fluidité et une qualité correcte. Je pense que ça fait le taf. C'est largement suffisant pour le visuel et tout ça. Pourquoi vouloir du 1080? Pour des jeux comme ça sert à rien d'avoir trop élevé. Parce que déjà, regardez par exemple pour ces dessins-là, moi quand je joue sur ma Switch en portable, ils sont magnifiques. Mais quand j'ai vu le de retour sur mon PC en 1080 à 30 fps, j'ai vu la qualité des dessins. Bah, c'est tellement du 1080 et tout ça que du coup tu vois que ça détériore la qualité de ces dessins. Parce que du coup tu vois tout de suite les erreurs, les défauts de ces tableaux parce qu'ils sont pas en résolution élevée quoi. Donc, c'est pour ça, moi je préfère du 720p, c'est largement suffisant. Et je suis fan de 720, je suis un fan de 720p, je l'avoue. Je suis abonné à 720p IMC. Et 1080, je l'aime pas, je suis pas fan de lui. Je le hais parce que c'est un monsieur riche, tunas, voilà. J'aime bien dire des conneries. Non, mais plus sérieusement, ça m'aide beaucoup mieux de passer en 720p 60 fps qu'en 1080p. 30 fps. En plus, le 1080p, je pourrais jamais passer plus haut que 30 fps. Et c'est limite pour mon PC. Et ça me prend au moins. Pour 20 minutes, ça va me prendre 3 heures d'exportation. Plus les autres trucs. Donc en arrondissant tout, ça me prend 4-5 heures presque. Quasiment pour ce genre de vidéo. Vous imaginez à chaque fois, tous les jours, 4-5 heures? Si j'ai un travail, donc du coup, ça veut dire que je peux pas faire grand-chose. Donc voilà. C'est pour ça que en plus je vous offre quelque chose de quali parce que je mets les moyens dans le sens de avoir un bon micro et en plus de ça je fais aussi que la qualité ne soit pas du tout compressée. Donc je pense que du coup du 720p 1080 non compressé du tout donc en temps actuel comme ce 1080 qui est déjà magnifique, ça sera pas mal, je pense c'est déjà bien. Moi sincèrement je préfère la. D'accord. C'est mis à jour le logiciel de quoi? Je sais même pas si ça va couper. Si au cas où ça coupe, veuillez m'excuser. Apparemment, ça n'a pas coupé. Yes. Mais est-ce que ça va sauvegarder du coup? Ah oui, ça va sauvegarder normalement. Bon, ben, on a une mise à jour. Hein. En temps réel, vous avez eu une magnifique mise à jour de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi elle s'est pas fait avant. Peut-être que j'étais trop vite, sûrement, je sais pas. Bon, ben, c'est pas grave. C'est du coquinoutage, voilà quoi. C'est un peu rigolo, j'avoue. C'est un peu comique. Sur Facebook, j'ai proposé aux gens de venir s'ils veulent passer dans mes vidéos, mais tout le monde s'en bat les ouf la quête.
Bon, après, vous allez me dire que normal parce que t'es pas connu. Voilà, on reparle dans les trucs sensibles. Bah, je peux pas être connu s'il y a personne qui s'intéresse et qui s'abonne à ma chaîne, donc ouais. Pourtant, je mériterais d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés, croyez-moi. Vu la qualité que j'offre, je pense que j'ai droit. Après, oui, c'est justement ça qui est en plus que je mérite ça parce que je n'utilise pas une autre personnalité en fait. Je suis vraiment moi-même, comme dans la vraie vie là. Je ne triche pas en surjouant ou quoi. Après, je pourrais faire, mais je veux dire, j'essaye pas d'imiter Squeezie ou autre personne, je plagie personne. Et c'est pour ça que du coup, bah, je ne décolle pas. Donc, si vous êtes contre les gens qui disent toujours. Enfin, si vous aimez pas les gens qui plagient les autres et que vous êtes contre ça et que vous voulez une fois montrer et mettre en avant quelqu'un qui ne le fait pas et qui est même correct, eh ben, mettez-moi en avant alors. Aidez-moi si c'est possible. Ce serait vraiment gentil de votre part, sincèrement. Vous n'êtes pas obligé, mais partagez mes vidéos, likez, commentez, tout ça c'est ultra important pour le référencement de la vidéo. Surtout que pour le moment, tant que j'ai pas 1000 abonnés, je ne peux pas monétiser mes vidéos, donc voilà quoi. Je sais que c'est chiant hein, ce que je dis là, mais c'est le seul moyen pour être connu. Non, il n'y a personne. Je me pose la question pourquoi je me suis cassé le cul à payer le Nintendo Online alors qu'il n'y a aucun de mes potes qui est connecté, même autre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je sais que c'est chiant ce que je dis là, mais c'est très important pour moi. N'hésitez pas à... Donc je disais avant de terminer le jeu, n'hésitez pas à m'aider à me faire connaître. Surtout que plus tard, j'ai prévu de mettre de côté pour ceux qui sont dans le fandom Fury. Pardon. Pour ceux qui sont dans le fandom Fury, n'oubliez pas que plus tard j'ai prévu en plus d'acheter un Fur Suite. Donc j'aurai mon propre Fur Suite. Je fais aussi des dessins et tout ça. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, c'est très important. Vraiment, il faut me faire connaître. C'est important. Il faut pas avoir peur et se dire ouais peut-être qu'il veut pas être connu. Si si. Donc n'hésitez pas. Plus vous êtes, mieux on est. Donc voilà. Si vous voulez faire, vous pouvez. Donc merci à vous et bah, du coup voilà. Hein, je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. C'était une petite vidéo sur la mise à jour, etc. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bande de troutrouf. De vous coquinou.